Salut à tous, c'est Mato, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Dans Minecraft, il y a bien un truc qui manque, c'est les véhicules. Alors on a déjà les minecartes, mais bon, je pense qu'il y a mieux. Pour pallier à ce problème, j'ai été sur Forge, j'ai marqué véhicule. Et je suis tombé sur le mode Mr. Crayfish Véhicule, qui est un mode très connu, mais assez complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous le présenter et vous faire un petit tutoriel dessus. Vous aurez dans la description les timecodes de chaque partie que je vais traiter, donc les crafts, tout ça. C'est parti. Donc on va commencer par la base, le craft des véhicules. Pour crafter les véhicules, il vous faudra ce bloc là, donc une station de travail. Le craft est assez simple. Et vous avez cette interface. Avec ça, vous avez tout ce que vous pouvez crafter qui sera affiché ici et leur recette sera affichée là. Pour pouvoir crafter le véhicule, c'est assez simple, il suffit juste d'avoir les items présents ici dans votre inventaire. Donc par exemple pour le quad, vous pouvez voir que là j'ai tout, sauf pour certains items ici, donc le moteur et la roue. Donc pour le moteur, vous avez différents types de moteurs, le petit moteur, le grand moteur et le moteur électrique. Chaque véhicule doit avoir un moteur en particulier. Donc par exemple pour le quad, c'est le petit moteur. Si vous mettez le grand, ça marchera pas. Et pour un plus grand véhicule comme le minibus, il faudra le grand moteur. Par contre, pour les petits véhicules comme ce truc là, le canapé, un moteur électrique, ça suffira. Alors, les moteurs comme ça sont déclinés en plusieurs catégories. Donc, bois, pierre, fer, or et diamant. Vous avez compris, le diamant, c'est le plus puissant. En faisant tab, vous avez les caractéristiques, donc l'accélération et tout ça. Le moteur en or, il accélère plus vite, mais il a une vitesse maximale moins élevée. Donc, la vitesse maximale qui est en kph, donc kilomètres par heure en anglais. Et pour les roues aussi, vous avez plusieurs types de roues. Chacune adaptée à un truc en particulier. Donc là, c'est les roues normales. Les roues de sport, donc pour aller plus vite. Les roues de racing, donc pour aller encore plus vite. Les roues hors route pour être très tout-terrain. Les roues neige pour la neige. Les roues tout-terrain pour être tout-terrain. Mais plus que le hors-route et les roues en plastique. Bon, en théorie, tous les autres types de roues sont supportés. Donc, par exemple, là, je peux mettre des roues hors-route sur mon quad. J'ai juste à mettre un moteur et ensuite, là, je peux crafter. Alors, cependant, votre quad, vous pouvez le laisser de la couleur dont il est de base, donc blanc, mais vous pouvez aussi la changer. Donc, ici, vous avez un endroit, paint color. Vous avez juste à mettre le colorant que vous voulez et la couleur va changer. Donc, là, vert, le truc devient vert. Pour mon test, je vais utiliser du colorant rouge pour me faire un quad rouge. Donc, là, vous pouvez le crafter. Donc, si vous le craftez, vous allez avoir cette caisse de véhicule. Donc, là, quad. Vous pouvez voir que donc c'est bon. Je vous ai pas montré les crafts des moteurs, mais c'est assez simple. Pour le petit moteur, c'est de base comme ça, et après vous l'améliorez en mettant des blocs autour. Donc pour le diamant, c'est comme ça. Pour le gros moteur, ça commence comme ça, et pareil, on met les items autour. Et pour le moteur électrique, c'est comme ça, avec les items autour pour l'améliorer. Les roues sont assez faciles à crafter aussi, et la seule chose qui change, c'est le truc qu'on va mettre au milieu pour les crafter. Donc ça va faire tous les différents types de roues. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le craft des véhicules. Ensuite, leur utilisation. Alors si vous êtes en survie, pour pouvoir utiliser le véhicule, donc le faire sortir de sa boîte, il vous faudra poser la boîte comme ça et faire un petit clic droit avec une clé de serrage sur le haut. Donc la clé de serrage se craft comme ça, c'est ultra simple à faire, et là vous avez votre quad. Cependant, là il pourra pas démarrer parce qu'il vous faut du fuel. Alors, tout ce qu'il y a besoin pour produire du fuel est ici. Donc, pour commencer, il va vous falloir des extracteurs de fluide. Donc, ça se craft comme ça. Et dedans, vous allez devoir mettre des enderpearls pour faire de la save d'under et un extracteur différent. Vous mettrez des bâtons de blaze pour faire du jus de blaze. Vous devrez alimenter en charbon et ça vous fera votre jus de blaze. Dès que tout ça c'est bon, il va falloir l'envoyer dans un mélangeur de fluide avec un craft assez simple aussi. Alors, vous pouvez utiliser des seaux, donc comme ça. Donc, vous prenez et vous l'envoyez ici. Bon, là, pour moi, je comprends pas parce que genre le truc baisse, mais j'ai pas de nouveau seau, donc c'est bizarre. Peut-être en survie, voilà, en survie ça marche. Et dès que vous aurez le liquide dans l'extracteur de liquide dans votre seau, vous devrez le mettre sur la partie du bloc avec une texture de la même couleur que le liquide dans votre seau. Donc là, la texture jaune pour que ça rentre. Donc si j'en mets un, vous pouvez voir que ça va un peu augmenter. Pour la save d'under, c'est derrière qu'il faut le mettre. Alors cependant, vous pouvez aussi utiliser des tuyaux. Donc les tuyaux qui doivent commencer avec une pompe, donc ça, la pompe qui se craft comme ça et les tuyaux comme ça. La pompe que vous devez mettre sur le bloc auquel vous allez extraire le liquide et que vous allez devoir relier à la partie du bloc, donc par exemple celle-là, de la même couleur que le liquide. Donc par exemple pour la save d'under, c'est vert, donc ici vert. Et pour que la pompe fonctionne, il faut lui envoyer un courant de redstone. Donc vous pouvez voir que là, si j'envoie un courant de redstone, ça descend. Ensuite, tout va aller dans le mélangeur de fluide. Et après l'avoir alimenté de charbon, il vous faudra mettre un petit peu de poudre lumineuse, de glowstone, pour faire du fuelum. Donc le fuelum qui représente le fuel en fait. Et pareil, si vous faites le même système de pompe, donc ici c'est la sortie, c'est l'endroit de la sortie du fuelum, vous pouvez l'amener par exemple dans une station essence pour voir que si j'ouvre ici, ça va augmenter. Donc je l'ai mis derrière parce que j'ai l'impression que sur le côté ça marche pas. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Ou sinon, vous pouvez l'envoyer dans des barils, donc des trucs comme ça. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, un baril de pétrole. C'est un endroit où on peut mettre du pétrole. Alors vous avez deux types de barils, donc les barils de carburant normaux et les barils industriels. Donc les barils industriels, ils ont un peu plus de contenu que le carburant normal. Et il faut shift tout en pointant le baril pour avoir la quantité de fuel dedans. Ou de liquide, parce que vous pouvez aussi mettre un dé de liquide. Vous pouvez aussi mettre le fuel dans ce qu'on appelle des jerrycans, donc des réservoirs, qui peuvent chacun contenir 5 seaux. Donc il y a le industriel et le normal. Et qui permettent d'alimenter les véhicules directement. Donc maintenant que vous savez comment produire du fuelum, il va falloir remplir votre véhicule de fuelum. Sinon ça démarre pas. Alors en créa, ce qui est bien, c'est que vous pouvez conduire sans 1 g de fuel dedans.
Mais si je me mets en survie, je peux faire ce que je veux, j'avancerai pas. Donc pour remplir de carburant, vous pouvez utiliser soit le jerrycan, soit la pompe à essence. Donc vous devez faire un clic droit sur cette partie-là. Et ensuite, dès que vous aurez soit le jerrycan, soit la pompe ici, vous devrez trouver l'endroit où on peut mettre le carburant. Donc c'est une sorte de bouchon ici. Et vous allez faire un clic droit dessus et vous pouvez voir que ça va remplir. Si vous réussissez, l'animation du bouchon s'enlève. Et pour se débarrasser de la pompe, vous avez juste à faire un clic droit sur l'endroit où elle était de base, donc ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai un petit peu de fuel et que donc ben, je peux avancer normal. Par contre, je dois avouer que le moteur là, il est vraiment puissant. Bon, le plus compliqué à mon avis, c'est de trouver l'endroit où il faut mettre le fuel, donc le bouchon. Je vais vite fait prendre un autre exemple avec la voiture de golf, où le bouchon est juste ici. Si je l'alimente, vous pouvez voir que ça fonctionne. Bon, dommage que c'est pas un petit peu mieux fait ça, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai pas montré, hein, mais la pompe à essence, ça se craft comme ça. Le baril comme ça. Le baril industriel comme ça. Et les deux jerrycans, ils se craftent comme ça. Donc en théorie, avec tout ça, vous pouvez largement utiliser vos véhicules. Cependant, imaginons que vous trouvez vos véhicules moches et que vous avez envie de les repeindre. Il va vous falloir des bombes de peinture, donc ils se craftent comme ça, c'est simple. Vous allez déjà devoir créer une bombe de peinture de la couleur que vous voulez. Donc en prenant une bombe de peinture et en y appliquant un colorant. Donc par exemple ici une bombe de peinture verte. Et ensuite vous avez juste à faire un clic droit sur votre véhicule et ça va un petit peu user la bombe. Bon là je les ai stackés donc ça les a usés tous les deux. Et ça va changer la couleur de votre véhicule. Bon je sais pas si c'est très utile mais je vous le dis, voilà. Bon c'est bien mais maintenant imaginons que par exemple vous avez fait un véhicule et que vous n'ayez pas fait comme moi et que vous ayez mis dans le véhicule des petits trous et un moteur beaucoup moins puissant. On peut voir quand même que là c'est moins puissant. Donc si vous voulez changer le moteur pour un moteur plus puissant, il va vous falloir utiliser cet item, donc un crick. Ça se craft comme ça c'est facile à faire. Vous allez devoir shift-clic droit sur votre véhicule et shift-clic droit sur le crick pour le mettre sur le crick comme ça. Ensuite, vous devrez utiliser une clé de serrage et vous avez juste à faire un clic droit et vous aurez cette interface qui s'ouvre. Là, vous pourrez changer le moteur par un moteur plus puissant. Assez simple. Alors, pour ceux qui se demandent, si votre véhicule prend trop de dégâts, il va se casser et il va libérer les mêmes ingrédients qu'il a été nécessaire pour le crafter, mais en un peu moins. Donc, essayez de pas casser votre véhicule, c'est bête. De plus, vous pouvez bloquer le véhicule aux autres utilisateurs. Donc, avec cet item-là, une clé. Donc, ça se craft comme ça, c'est assez simple à faire. Vous allez devoir faire un clic droit sur le véhicule en question. Et là, vous pouvez voir qu'une petite interface va apparaître. Et si j'essaye de démarrer, ça démarrera pas. Comment faire pour que ça démarre? Il va falloir mettre la clé dans l'interface. Et là, ça pourra démarrer. Donc, ça, c'est ultra utile si par exemple, vous êtes à plusieurs et que vous voulez pas que les gens volent vos véhicules. On pense qu'il va pas falloir se faire voler la clé. Hein. Et pour en finir avec les trucs vraiment sérieux, il y a aussi dans ce mode des remorques. Donc, pour atteler une remorque, donc par exemple, ici une remorque à véhicule, le craft est disponible là-dedans si vous voulez le voir. Donc, pour atteler une caravane à un véhicule, il vous faut cet item, un marteau, donc il se craft comme ça. Vous allez devoir faire un clic droit sur la caravane, enfin plus précisément sur la petite boule ici de la caravane, et finalement clic droit sur le véhicule en question. Et là, vous pouvez voir que ça va m'atteler la caravane et que ben, je pourrais partir avec. Par contre, faites gaffe, si vous bougez trop avec, ben, au bout d'un moment, ben, ça va se détacher. Là, vous pouvez voir que j'ai descendu tout cet endroit et ça s'est détaché, c'est con. Bon, après, dans ce mode, il y a quand même des trucs un petit peu plus fun. Donc, comme par exemple, ces cônes, donc des cônes qui permettent de stopper les véhicules et que vous pouvez aussi mettre sur la tête. Là, vous aurez une magnifique tête. Et vous avez aussi des tremplins. Donc, bon, les tremplins, je pense que vous savez à quoi ça sert. Si je vais dessus, ça va m'accélérer. Donc ça c'est ultra pratique si vous voulez faire genre des parcours ou des trucs comme ça. En plus c'est ultra stylé. Par contre ça marche pas si vous essayez de marcher dessus comme ça. Donc c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bas, vous abonner et tout. Sur tous les modes de Mr. Greyfish, il y en a encore que deux que j'ai pas traités. Peut-être je les traiterai, je sais pas. Déjà fait Gun et Device. Bon le problème c'est que là il reste fourniture qui est assez simple et château de Jumping Castle. Les trucs un petit peu comme ça. Peut-être je les ferai un jour. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce mode, je sais pas vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie. De bons jumps avec vos véhicules. Et sur ce, je vous dis à plus.